Le doule, c'est le chapeau. Et le porteur de doule, c'est le doulos. Si l'un porte le doule, c'est-à-dire qu'aux yeux des gens du milieu, il en croque. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire, il est tard. Attends, on a autre chose à te demander. Pas me confondre avec les gens qui rentrent dans votre bureau en marche arrière. J'en croque pas, moi. Le doulos est un indicateur de police. Passez-moi l'inspecteur Salignari. Qui m'a balancé? On le craint, on tente de ne pas le fréquenter. Alors, c'est ça le fameux Cilien? Cilien est tout correct. C'est pas ce qu'on dit à Paris. Le doulos jouit d'un statut particulier, tant dans le milieu qu'à la grande maison. En somme, quand on ne vous aide pas, vous êtes perdu. Ce n'est pas un hors-la-loi ordinaire, mais sa vie est plus dangereuse. Dans ce métier, on finit toujours clochard ou avec quelques balles dans la peau. Je trouve cette ordure de Cilien. J'ai peur. Si tu me connaissais comme beaucoup me connaissent, tu n'aurais pas peur de rester avec moi. Le doulos, une tragédie du mensonge. Le mystère à l'état pur. Un homme pris au piège. Le doulos, où vous ferez la connaissance de Cilien, Maurice, Klein, Fabienne, Thérèse, Gilbert, Nutecchio. Un film de Jean-Pierre Melville. Prochainement sur cet écran.